Ouais, Reznov. Tu vas répondre à nos questions. Est-ce que tu comprends? Mais vous êtes qui? Ce n'est pas important, ce qui importe c'est qui tu es toi. Quel est ton nom? Va chier! Où es-tu né? Je te dirai rien! Tu t'appelles Alex Mason. Tu es né à Fairbanks, en Alaska. En 61, tu étais dans un groupe d'agents spéciaux de la CIA appelé Opération 40. Tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Oui. Où est la source des missions? Je sais pas de quoi vous parlez. Les nombres, Mason. Que signifient-ils? D'où est-ce qu'ils sont venus? Je sais pas de quel nombre vous voulez parler. Et Dragovich, alors? Tu te souviens de lui? Donne-nous ce qu'on veut et on assurera ta sécurité. Commençons par le début. Cuba 1961, l'année des cochons. On sait que tu y étais. Non. Te fous pas de moi, Mason. Je sais toujours quand tu mens. 61, baie des cochons. Que s'est-il passé? Ils sont tous restés. Inutile de mentir, Mason. Tu y es allé avec Woods et Oman. Woods? Oman? Dragovich. Tu te souviens de Dragovich? Castro. On devait tuer Castro. La police va arriver. Il faut faire vite. Woods, ça faisait un bail? Pas longtemps, Carlos. Tu connais Bowman, non? Carlos. Voici Mason. Ça va, Carlos? Bon, tu as ce qu'on voulait. Il sera là-dedans. La plantation. Ma plantation. L'attaque contre l'aérodrome devrait faire diversion le temps que vous entriez. Et pour l'évacuation? Un transport vous attendra. Soyez à l'heure. Excellent. On a de la compagnie. Saca los papeles. Ahora. Sáldete aquí, puta capitalista. No me Oye, toques, hijo de dónde puta? Tú eres? J'ai dit, vous êtes tout. Reste calme, Woods. Attends. Je vous parle. Ça y est. Traidores c'est bon, la tout est prêt. Pareil, sus armas. Désolé pour le bar, Carlos. Pas de soucis, mes gars s'occuperont des corps. Les occupants quittent leur véhicule, armés de fusils. Bowman, Carlos, faites un tir de couverture. On va se frayer un chemin. Mason, avec moi. Allons-y. Dans mon visage. Oye! Par là, dans cette allée! À la voiture! T'es en fort! Merde, y'en a trop! Bowman, couvre de derrière! Générale militaire! On se revoit à l'aérodrome! Suerte, mes amis! Fonce! Allez! Je vois. Il va s'évanouir. Mason, tu as échappé à la milice. L'assaut de la baie des cochons est en cours. Tu te diriges vers l'enceinte de Castro. On va le perdre. Recommence, on n'a pas le choix. Putain de merde! Voilà l'enceinte. Carlos et ses hommes vont attaquer l'aérodrome. D'une minute à l'autre. Voilà le signal. Allez ! On se réveille. On y est ! ¡Agarré! La invasión empezó. La pista de aterrizaje está bajo ataque. Tenemos hombres en camino. Repito. La invasión empezó. Descends-le.
Registrado. ¡Está en lo cierto! ¡Parfait! ¡Ahí está! ¡Sont concentrés sur l'aérodrome! ¡Registrado! ¡Voy devant! ¡Ahí está! Pas. ¡Lo veo! Roman, par la gauche! ¡On y va! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Lo miro! ¡Buen ojo! ¡Cibre a terre! ¡Está lo cierto! ¡Afirmativo! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Allez! ¡Confirmado! ¡Attention, vous tirez! Roman, rends-toi! En cas de besoin, crie un bon coup! Bigé. Mason, avec moi! On fouille pièce par pièce pour trouver Castro! ¡Mierda, hombre abajo! Grenade! Allez! Mason, par ici! Regardez! On y va! Roman, y'a rien ici! On avance! Faudrait mieux se manier! Les B-26 vont pas tarder à bombarder! La cible devrait être droit devant, prêt! Mouvement à l'intérieur! On y est! Prêt à écrire l'histoire? Il prend un bouclier humain, et elle, elle le protège. Les partisans de Castro, lui, sont fanatiquement dévoués. Roman, la cible est à terre. Ça se passe mal pour Carlos. Ils tiendront pas longtemps. Ils ont la moitié de l'armée cubaine sur le dos. Et ces B-26 mettent tout à côté. Je vais dans le couloir principal. C'est bon, on est en route. Roman, prends la droite. Bien fait. Il est à terre. Ennemi à terre. Dépêche-toi. Ennemi, près de la colonne. Bon sang. Barrons-nous d'ici avant que ces foutus avions ne nous fassent tous sauter. La colonne, contact. Mouvement près de la colonne. Contact à faire. Il est mort. On est coincé ici. Ça sent mauvais. Ils sont trop nombreux. Merde. Calibre 50. Les gars de Carlos devraient être là. Carlos, qu'est-ce qui se passe? Carlos! Ils arrivent, par le mur est. T'as cru que je te laisserais tomber, Woods? Les gars vont couvrir votre cuite. BTR! Allez! Vite, les gars! Dieu te bénisse, Carlos! Par là! Dans les champs de canne à sucre! Voilà l'aérodrome! Pourvu que Carlos soit prêt à décoller. Il nous a jamais déçus. Les rebelles se font botter les fesses. Faut y aller, accrochez-vous. Allez. Woods, le plan va foirer. Tu dois dégager d'ici. Tu as notre transport? L'avion est prêt. Mais ils nous abattront avant qu'on décolle. Un problème à la fois, mec. On s'en va. Allez. On ne peut plus attendre! Cours! Couvre-nous, Mason! Woods, on a un problème! Ces putains de véhicules plaquent la piste. T'entends, Bowman?
On est foutu! On manque de pistes pour décoller! J'en occupe! Mason! T'es dingue ou quoi? Ils vont te massacrer! Mason, qu'est-ce que tu fous? Mason! Piste dégagée! Bon sang, pas le choix, Woods. Je savais pourquoi je signais. Je survivrai! Allez, faut foutre le camp! Vous êtes mort. On vous a tué. Non. C'était un sosie. Vous pensiez vraiment qu'on ne savait pas? On a toujours su. Faites ce que vous voulez de lui, Général. Je vous l'offre. Pour fêter nos bonnes relations. Mais veillez à ce qu'il souffre. Il souffrira au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai des plans pour toi, l'Américain. Ah, Dragovitch, là. C'est certain. C'était un piège. Il savait qu'on venait. Ce salaud, Dragovitch. Le russe. Ouais. Il avait tout préparé. Où Dragovitch t'a emmené? En Russie. Un camp de travail. Un enfer. Appelé Vorkuta. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à Vorkuta, Mason? Qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Pourquoi Gastro ne t'a pas tué? Pourquoi te donner à Dragovitch? Gastro et Dragovitch travaillaient ensemble. Ouais, tu t'es un ouais. C'est vrai. Vorkuta. Me battre. Juste pour survivre. Que s'est-il passé à Vorkuta, Mason? Je suis resté tout seul. Presque un an. Souviens-toi! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mason? J'avais perdu l'espoir de pouvoir m'enfuir. Mais Victor Reznov avait un plan. Tu vas craquer, l'Américain! Victor Reznov! Mon ami. Victor, comme une fille! И только через село, понимаете? Собаки! Эй, смотри! Эй, всегда ты, Резнов! Резнов. Мейсон. Ton voyage débute par un premier pas. C'est la phase 1! Maintenant, nous prenons Vorkuta! Fais-le la phase 2! C'est béni des la 3! Présentation. Sergueï Kozik, le monstre de Magadha. Content qu'on soit amis, Sergueï. Phase 2. C'est le bel et le ténèbre. Reznov, t'es sûr qu'on peut se fier à l'Américain? Absolument. Lui et nous, on n'est pas différents. Fiez-vous à Mason comme à moi. Trahi, oublié, abandonné. À Vorkuta, on est tous frères.
ils doivent savoir que c'est du suicide. Il ne peut y avoir de victoire sans sacrifice, Mason. Nous autres Russes le savons mieux que quiconque. Préparez-vous, messieurs! Mason! Par ici! Les canons de la tour vont nous massacrer! Reznov, je croyais que Mason avait un plan! Faites confiance, camarade! Pluie de feu! Regardez comment Mason change en arme la moindre saleté! Ne perdez jamais espoir, mes amis! Jamais! Des mois de préparation, Mason! On ne s'arrêtera pas! On n'hésitera pas! On sera libre! Ou on mourra! Sergueï! Ouvre les casiers des armes! Mason! Grimpe à la tour! Et soutiens l'insurrection au sud! Et toi, tu fais quoi? Si on veut réussir, chaque homme doit faire ce qu'il a à faire! Phase 4, libérez la Horde! Je vais rassembler les hommes! Vos armes, camarades! Les renforts vont bientôt venir défendre l'arsenal principal! Ouais, comme prévu. Comment on atteint la phase 5? L'arme de Mason sera bientôt prête! Le verrou, Mason! En avant! On va réduire en cendres cet enfer! Brûle! L'hélico est là! Bien! Et en quoi c'est bien? Parce que c'est ce qu'on voulait! Phase 5! Embrancher! La bête est née! Vite, Mason! Prends le harpon! Au bon moment! Vous savez tous quoi faire! Qui dit c'est de verrouiller l'arsenal? Arrêtez-les! Tirez! Allez! Ils essaient de fermer la porte! Sergueï! Non! Mason, d'autres gardes arrivent! Ouvre cette porte! Là-haut! On y va! Cible à terre! Encore des renforts! On a peu de temps! Qu'ils essaient de passer! Arrête-les! Là! Ce chalumeau nous sera utile! Couvre-moi, Sato! Ouvre-moi la route, Mason! Concentrez le tir! Ils ont fait une percée! On se replie, on se replie! Ouvre ce coffre, vite! On y est presque! Oui! Mason! Le minigun! C'est du temps! Bon travail! Come on! 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 Come on
pas de tête, camarade! Pour l'honneur! Pour la vengeance! Pour la Russie! Réduisez ce lieu ensemble, camarades! Ils tirent du gaz lacrymogène! Ils nous ont gazés. On t'a suffoqué. Reznov était encore avec toi. Il m'a jamais quitté. La porte ne tiendra pas longtemps. On n'a pas beaucoup de temps. C'est dans ce temple de la décadence des dirigeants de Vorkuta que repose la clé de la phase 8. Liberté. Et c'est toujours vrai. Le gouvernement voulait Dragovich. Il voulait que tu le tues. Oui. Et il y en avait d'autres. D'autres que je devais tuer. Qui ? Qui, Mason ? Blanchi est convoqué au Patagone. Jason Hudson était mon contact. On y est. Pourquoi le Patagone? Hudson m'a rien dit. Pas d'autorisation. Votre convoi est prêt, monsieur. Bienvenue au Patagone. On est en retard. Secrétaire McNamara. Votre réputation vous précède, monsieur. Dépêchez-vous. C'est tout de même la sécurité nationale qui est en jeu. Il ne craint personne,
n'a pas d'état d'âme, pas de faiblesse. Il s'appelle Dragovitch. Je crois que vous vous êtes déjà rencontré. Quand dois-je le tuer ? Content que vous soyez de retour, Mason. Notre invité. Il est là. C'était comme si tout le monde nous regardait. Me regardait. On pouvait se fier à personne, alors. Même pas à soi-même. D'où notre présence, Mason, pour pouvoir t'évaluer. Crème de la crème mondiale. Juste ici. Toujours disponible. On a toujours gardé l'œil sur toi. C'est impossible. J'étais au Patagone. Veuillez lui dire qu'on est là. Mot de passe, monsieur. Autorisation, Prospero. Héros distingué. Je me souviens. J'entendais des nombres. Je pouvais pas les sortir de ma tête. Chef distingué. Autorisation, Ariel. VIP. Je sentais un truc me dévorer. Il attend. Quoi, Mason ? Le centre d'opération. Je crois pouvoir dire que la civilisation a été une fois sauvée. J'étais comme dans un rêve. Phase 2, s'élever des ténèbres. Phase 3, pluie de feu. Tu te rapprochais de ton objectif. Ça fonctionnait. Ça marche toujours. Impressionnant, hein ? Pas encore. Sycorax. Ce sanctuaire a été bâti en 1943. On l'utilise rarement. Merci, monsieur le secrétaire. Bonne chance, Mason. Monsieur le Président. Agent Mason. C'est un honneur, monsieur le Président. Asseyez-vous. Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté, notre mode de vie est en danger. Nikita Dragovitch. On me dit que vous êtes notre meilleur homme. En tout point. Je vous le souhaite. Monsieur Mason, chargez-vous de ça. Ordre de mission, opération Flashbolt. Frappez le cœur de leur programme spatial. Éradiquez leur projet de missile longue portée. Anéantir le groupe Ascension, des nazis, des savants cooptés par les Russes après la guerre. Il avait besoin de leur savoir, de leur connaissance. Opération 40 a déplacé un agent double au plus près du groupe Ascension. Grigory Weaver. Sa mission était de saboter la fusée. Mais ça a mal tourné, Mason. Ah, j'arrive pas à me sortir ces nombres de la tête. Réponse de Weaver. Faut qu'on y aille.
Ouvre l'œil, Mason. On y va, on se bouge. Whisky, répondez. J'écoute, X-Ray. Soyouz 1 va bientôt décoller. On est en route, à vous. Compris. On n'a plus beaucoup de temps, Mason. On y va. Non, quelque chose cloche. Il y a beaucoup trop d'activité. Yankee 1-3, au rapport. Yankee 1-3, au rapport. Weaver ne répond plus. Tiens, regardez ce qu'on a là. Le compte à rebours a commencé. Voilà Soyouz 2. Décollage prévu 10 minutes après Soyouz 1. Droit devant, bâtiment des com. Mason, il y a de l'activité sur la route. Va voir ça. Merde, c'est Weaver. Ils l'ont chopé. Votre collègue se refuse à expliquer sa présence dans cette enceinte. Putain, c'est qui ça? Rendez-vous. Et vous aurez tous la vie sauve. C'est Kravchenko, le sous-commandant de Dragovich. C'est votre dernière chance. On ne peut rien faire, Mason. Weaver est foutu. Je sais. Tant pis. Ça sent l'embrouille. Groupe Whisky, en position? Reçu, X-Ray. Whisky couvre la route. Weaver s'est fait prendre. La base devrait passer en alerte maximale. Gardez vos positions, on est en approche. Compris. D'accord. On y va. Il nous faut ses uniformes. Je prends celui qui est au sol. Tu prends l'autre. Allez. Sauver Weaver était plus important que ton objectif de tuer Dragovich. Weaver était russe. Mais il était sympa. J'espère que t'as appris le russe à Vorkuta, Mason. Ça devrait aller. Il faut qu'on sauve Weaver. Ne tire pas. Joue ton rôle. Hey, что это за шум? Hey, собаки, покарайте. Ладно, будьте на чеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело да, с концом. Да. C'est bon. Oksebomman devrait être devant. Qu'est-ce qui est arrivé à Weaver? Il a été compromis. On continue comme prévu. On se créera une autre occasion. Что происходит? Повышение давления. В отсаке 12А. Может остановить? Нет. Ты уверен? Уверен. Эй, у нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres. Non, c'est bon. Faites juste comme eux. Bâtiment des coms droit devant. Sniper! Sur le toit! Deux hommes en faction devant! Ok, Bowman, Brooks, débarrassez-nous d'eux. У нас проблема. За мной. Nettoie bien tous les étages. Je coupe les communications. Allez. Merde, super voie. Скоро его не будет. Je l'ai. X-Ray, répondez à vous. J'écoute Bowman. Nous avons Weaver en visuel. Il l'amène à un bunker au sud du bâtiment des coms. Mason, par ici. Arbalète, pointe explosive, vite! Couvre l'échelle. Ennemi, on approche par le nord. On est coincé. On a de la compagnie.
Ils sont bloqués! Détruis ces véhicules! Le camion! Surveillez le camion! Les coups de feu attirent l'attention. Ces connards bloquent la route. Sécurise la corde. Toi, tu tires. Fais vite, Mason. Allez, allez! Weaver. Bon à droite. C'est bon à gauche. Tu peux poursuivre la mission, Weaver? On y va! Tu as saboté le système de guidage? J'étais compromis. Trop tard pour la jouer fine. On passe au plan B. On peut peut-être encore bloquer le lancement. Il faut rejoindre le bunker auxiliaire de commande. Tu as sauvé Weaver. Tu n'avais plus qu'à trouver le groupe Ascension et tuer les savants. Non. Je devais tuer... Dragovitch. Ennemi, le resto de nouilles! Mason, avec moi! Il est mort. On est dessus! Je l'ai! Acclamatique! Il est mort. Il est à terre. Et confirmé. Cible à terre. Prêt. Il faut détruire cette fusée, à tout prix. C'est trop tard, je peux rien faire. Plan B, Bowman, à quoi de jouer? Ça doit le faire. Tire, Mason! Vite! Nom de Dieu! Sacrée façon de tester un prototype. Putain de plan. Bon sang, restons pas détruits! Allez au tunnel! Pauvre. C'est des salauds de nazis! Ils méritent pas de pitié! On est là pour les descendre. Il est temps de foutre le camp. Pas encore. On va traquer Dragovitch. On fait à nouveau. Reste avec moi, Mason. Kravchenko s'est enfui avant qu'on le rattrape. Tu étais tout prêt. Dragovitch était là, pas vrai? Ce salopard était introuvable. On a volé un BTR pour foutre le camp on là. On perd notre temps. Il est complètement fou. Mais on est tombé sur la voiture de Dragovitch. Je le tenais. Satisfait, Mason? Pas encore. Pas avant d'avoir vu le corps. Dragovitch, est-ce que la cible est morte? Crois-moi, ce salopard n'est qu'un petit tas de cendres. Bizarrement, je savais que Dragovitch était en vie. C'était devenu une obsession. Tu as passé 5 ans à tenter de le retrouver. Il était partout. Je pouvais pas le sortir de ma tête. Tout comme les autres. On lui a jeté une telle quantité de merde qu'il ne savait pas ce qu'il dit. Des Russes, toujours dans ma tête. Non, on continue à le presser. Hé hey, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? On veut les nombres des salles. C'est ce qu'on a toujours voulu. Revenons en arrière, Mason. Après Baïkonour, où est-ce que Washington t'a envoyé?
Vietnam. Foutu Kesson. C'était en 1968? Ouais, je faisais partie du groupe GOS mené par Frank Woods. Une reconnaissance des opérations russes au Laos. Et ton officier traitant, Hudson, il était à Kesson? Il était avec toi là-bas? Hudson. Les lunettes noires. Un bloc de glace, se dit. This is the Psychedelic Music Show at AFVN. I'm Army Specialist Zach Johnson. Our APO here is 96309. If you send a request to that number, what we do is we open it like this. When it arrives, we read it, pull out that record, and play it on the air. Like this one, Fortunate Son. T'as une sale mine, Woods. La mine, on s'en branle dans la jungle. C'est Vietnam, ma poule. Content de te voir. Ouais, moi aussi. Jason Hudson, c'est IA. Merci pour votre temps, sergent. J'ai déjà présenté globalement la situation à Mason. Laissez-moi remplir les plans. En 1964, la CIA a cessé ses opérations clandestines en Asie du Sud-Est. Ils ont passé le relais aux forces armées. De là, est né le GOS du MACV. Kesson est une base du corps des Marines, mais aussi le point de départ de nos opérations transfrontalières. Surtout Laos et Cambodge. Mission de sabotage, propagande, reconnaissance, également sauvetage de prisonniers. En gros, la merde habituelle. Chez lui. L'objectif principal, c'était de rejoindre UE, mais vous êtes tous restés défendre Kesson. C'était pas ça l'objectif. Hudson, vous devez pas connaître Woods. Il savait que Kesson avait besoin de nous. Le choix était fait d'avance. Grenade ! Vérifiez les échelles. Il est mort. Get up. J'ai reçu. Allez, Mason. Allez. Couvre-moi. Merde, ils sont à 5 et 3 sur nous. On a une rangée de marines de napalm enterrée à 20 mètres. Ils avancent encore. Entre-plis. Tirez la tête française. Bien reçu, Big Six. Red Rider en approche. 2 minutes, patientez. On a plus de temps. Attention, Red Rider en position. Baissez la tête. Explosif puissant sur la cible. Bonne journée. Red Rider terminé. Quelqu'un voit le lance-roquette? Non, vérifiez l'autre côté! Négatif, négatif! Non, on continue!
détruit. Avec moi. D'autres jets arrivent. Infanterie et blindés. Ils doivent avoir toute une division bloquée par là. Quoi qu'ils prennent pour une femmelette. Ah bah voilà, je vais faire ça. Remontez, montez sur le tank. Comme un char. Ouais, mais bien plus facile à manœuvrer. BF-143, autorisation Sierra Oscar Golf X-Ray. Bombardement prioritaire sur mon ordre. Affirmatif X-Ray, on y va. Tire-toi des commandes pour guider le taux. Continue, joli. Ramenez la terre. Confirmé. BF-143, commençons bombardement. Que c'est sur ça? Ennemis, prêts à foncer! Bouti! Les chars, méthode! Reçu X-Ray, on vise le secteur. C'est pas terminé! Arclay, dans une minute. VF-143 en approche. C'est fini! Non. C'est juste le début d'autre chose. Bowman! T'as une sale mine, Mason. Ouais, c'est le Vietnam qui fait ça. Content de te voir, Alex. Jason Hudson, CIA. On est là pour parler de la rencontre avec les Russes au Laos. Aujourd'hui, les communications sont très perturbées et les vols commerciaux ont tous été annulés. Si pour certains... L'offensive d'une tête, c'était le début de la fin. C'est là qu'on a commencé à perdre la guerre. C'est dans l'enceinte du McVie à UV que tu es entré en contact avec le transfuge russe. Ah non! On sait que si. Il s'est livré lui-même au McVie. Tu y étais, Mason. Il savait tout sur Dragovich. Vraiment tout. Mais c'était peine perdue. Ferme ta gueule! La LV avait encerclé la ville. Le McVie était pratiquement rasé. Le transfuge était sûrement mort. Il n'était pas mort. C'était perdu d'avance, mais tu y es allé. Pourquoi? Ces anges gardiens répondaient plus. Je pouvais pas accepter sa mort. Je le voulais, ce putain de dossier. La ville tuée. C'est là que tout a commencé à se jouer pour toi, Mason. Le transfuge. Enceinte du McVie en vue. Vous mettez les pieds dans un beau merdier, Woods. On vient récupérer un transfuge et des infos vitales sur le rôle des Russes au Vietnam. On a perdu l'équipe de protection. Il pourrait se cacher dans la pièce blindée du McVie. On le trouvera s'il est en vie. C'est bon, je vais tirer. Où est-ce qu'on va, Mason? Lima 9, j'ai un contact visuel avec X-Ray. Il y a des Viettes sur toute l'aile nord, Woods. Allume-les, Bowman. Lima 9, en approche. X-Ray, tout est OK. Allez, en avant! Il est à terre. On pénètre par le toit. Votre collaboration avec les Américains vous condamne. Suivant la tradition du parti, à terre. Le châtiment sera appliqué immédiatement du parti. X-Ray, ici Lima 9. Si vous ne partez pas bientôt, vous serez bloqué. L'ANV a envahi toute l'aile nord. Bien sûr, Lima 9. On se met en route. La pièce blindée est droit devant. Il est mort. Va falloir vous remuer le cul si vous voulez une évacuation. On y va. Il doit être dans une de ces salles. Mason, prends la porte au fond du couloir. Bowman, avec moi. Mason. 13-9. Comment t'as quitté Vorkuta? Je pensais pas te revoir un jour. Moi non plus, mon ami.
J'ai une information que votre chef ferait bien de prendre au sérieux. Dragovitch prépare une attaque contre l'Occident. Mason, tu vois ce que tu venais chercher ? Dragovitch, j'étais sûr qu'on le reverrait. Son influence gagne comme un cancer. Même le Kremlin ne sait pas ce qu'il prépare vraiment. Il faut l'arrêter, Mason. Dragovitch, Steiner, Kravchenko, ils doivent mourir. Ils sont avec toi ? Woods, Bowman. Je suis Reznov. Victor. Qu'est-ce que tu foutais, Mason ? J'espère que l'info vaut le coup. Limanov, où est notre foutu transport ? X-ray, attention. Les troupes de marine sont engagées le combat à l'ouest du McVie. Rejoignez le point de ralliement Delta, tout cliquonnant sur la rivière. On y arrivera ! Voyez là-bas ! Arrête ! Arrête ! Donne-moi la radio ! Vous êtes le GOS ? Donne-moi juste la radio. Bonne chance avec ça. Texas, ici Sierra, Oscar, Golf, X-ray. Bombardement prioritaire sur mon ordre. Authentification Golf Shoe, à vous. On vient, X-ray, baissez la tête. Reznov était à huer. Que c'était lui le transfuge. Il revenait pour toi, Mason. Reznov était de retour. Ah, toujours vivant, l'ami ! Ça va ? Mason ! Ça va, mec ? Toujours vivant. On se revoit au point de ralliement. Le CDSU est juste au-dessus ! Colle une charge au plafond ! Fais-les sauter par en dessous ! J'ai des sorlis dans le jardin, Véro. Encore combien de temps ? Environ 3 secondes ! RS9 ! Bon travail, Mason ! Allez ! Allez ! Allez ! Tous au bateau ! Allez ! Dragovitch. Pour la trêve du tech. Le courage de l'ennemi vient peut-être de son tout nouvel allié. On a le dossier que le transfuge a remis au Mafi. On est au courant. On a identifié les hommes de Dragovitch, Kravchenko, Clark, Steiner. Tu les connais. Les cerveaux du projet Nova. Nova 6. Reznov l'appelait Nova 6, Dragovitch. Que sais-tu sur le professeur Clark ? On sait que Clark est l'ingénieur chimiste qui a aidé à la conception du Nova 6. Un type narcissique, un prodige dégénéré. Mon contact, Jason Hudson, est allé à Kowloon interroger Clark. Tu te rappelles ? Pourquoi vous demandez ? Vous connaissez les réponses ? Non, Mason, on ne comprend pas les nombres. On ne sait pas du tout d'où ils sont émis. Et si vous demandiez à Hudson ? Kowloon, c'était sa mission. C'est lui qui a interrogé Clark. Vous ne comprenez pas. Si vous croyez que vos brutalités suffisent à m'intimider, c'est que vous ne connaissez pas du tout Dragovitch. Je n'ai rien à gagner à tout vous dire. Pense à tout ce que t'as à perdre. Ah.
On peut faire ça longtemps. Il y a des tas de fenêtres. Ou tu nous donnes ce qu'on veut et on assure ta protection. Je suis déjà un homme mort. Ils m'ont pourchassé à travers toute la planète. Si vous êtes là, ils vont venir. Ils savent tout ce que vous savez. Ils sont déjà probablement en route. Pourquoi ? Dragovic n'aime pas laisser de traces. Je ne l'ai jamais vu directement. Seulement Steiner, l'Allemand. De quel genre d'affaires discutiez-vous ? Ils m'ont engagé pour stabiliser certains composés volatiles. Quel genre de composés ? Nova 6. Une arme biochimique. Merde, je le savais ! Vous les avez venus ici ! Baisse la tête ! Les balles ont visé les boîtes ! Où est ton issue de secours ? Il y a une trappe au plafond ! Par là ! Vite, bon sang, vite ! Vous avez respiré le gaz ? Je ne crois pas. Spetsnaz, on approche ! Par où ? L'escalier ! Fenêtre de droite ! Short sniper ! Il faut qu'on atteigne la tour d'en face ! Comment ? On saute ! Non mais tu te fous de moi ! Là, faut bouger ça. Prenez ce qu'il vous faut. Ils seront là en moins de deux. T'es plutôt bien organisé pour un homme mort. J'ai beau avoir accepté le caractère inéluctable de mon sort, je ne suis pas pour autant pressé d'en finir. Essayez de me couvrir. Contact à terre. Affirmatif. Dépêchez-vous. Dragovic prend vraiment beaucoup de risques pour te descendre. Qu'est-ce que tu nous caches ? Je vous ai dit pour le Nova 6. Où est leur base ? Vietnam ? Laos ? Cambodge ? C'est précaré, les montagnes de l'Oural. Yamantau. Vous y trouverez Steiner et les derniers préparatifs du projet Nova. Quoi d'autre ? Des bruits, rumeurs, n'importe quoi ! Steiner discutait avec Dragovic de nombres. Quel genre de nombres ? Le genre sur lequel repose le plan ! Ennemi ! À 12 heures ! En bas ! Merde ! Ils envoient une équipe voler ce qui reste de mes travaux. Ah non, merci, Dragovic. Je fais moi-même mon ménage. Ah ! L'un de vous manque de balles. On est loin d'être arrivé. Par là ! Le balcon à gauche ! Suivez le couloir, tout le long jusqu'au fond. Il passe par le bois. Bon ami. Cible à terre. Qui me sont envoyés sur le balcon suivant. Parle-nous des nombres, Clark ! Ah ouais ! Les nombres... Ils sont la clé de... Огонь, no problem! Merde ! On y va !
Capot, ici Red Eye. Diversion immédiate. Niveau du sol, tour 4, côté sud. Compris Red Eye, c'est parti. Regardez le feu d'artifice ici. Vous avez chopé le gars? Négatif. Il est mort. Red Eye terminé. Allez Hudson, je vois pas où passer. Par là. On va où ? Clark a parlé d'un savant nazi qui travaille pour Dragovitch. Il s'appelle Steiner. Nous allons en Russie, au mont Yamantau. Hudson a dit que Clark était fou. Parano, obsédé par des nombres, tatoué partout. Clark a créé le Nova 6, une neurotoxine qui peut tuer en quelques secondes. L'officier en second de Dragovitch, Kravchenko, l'a testé au Vietnam. Sur eux, sur nous, sur les siens, il s'en fichait. Reznov me l'a dit à Vorkuta. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Nelson, écoute-moi. C'était il y a très longtemps. Loin d'ici. Dragovitch, Steiner, Kravchenko, tous doivent mourir. Mais il m'a dit ce qu'ils avaient fait. Quel genre d'homme c'était ? Pourquoi ils devaient tous mourir ? Mon père était un musicien de Stalingrad. Pendant l'occupation allemande, le son de son violon emplissait l'air d'une musique sublime. Korsakov, Strassov, de nombreux grands compositeurs nationalistes. Pour mes compatriotes, c'était un symbole d'espoir. Pour les nazis, c'était un symbole de défi. Depuis lors, sa musique me hante. Les nazis l'ont égorgé dans son sommeil. Collaborer avec des nazis est une trahison. Une trahison contre notre mère Russie. Dragovitch et Kravchenko ne se souciaient pas vraiment de ça. Ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et à assurer leur avenir. Tout est chargé. Ils attendent. Victor, il est temps. Oui, Dimitri. Il est temps de traquer les survivants du Troisième Reich. Nevsky, prends l'équipement. On s'en va maintenant. Les hommes et moi avions connu les hivers les plus rudes sur le front de l'Est. On savait ce que froid voulait dire. Mais aujourd'hui encore, le sang se glace dans mes veines quand je repense à ce jour-là. Loin, loin de chez moi. Ah ! Le héros de Berlin nous honore de sa présence. Besoin d'autres batailles, Reznov ? Tant que la mère Russie aura des ennemis, je répondrai à l'appel. Oubliez vos petites rivalités, Kravchenko. Le capitaine Reznov fera ce qu'on lui dira. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillé. Que s'est-il passé à Stalingrad, entre Dragovitch et toi ? Au début de l'occupation allemande,
Lui et son caniche Kravchenko nous ont laissés dans une situation désespérée. Ils ont promis d'envoyer des renforts. Mais personne n'est venu. Dragovitch et Kravchenko sont opportunistes, manipulateurs. On ne peut pas leur faire confiance, Dimitri. Dimitri Petrenko était un des hommes les plus braves que j'ai connus. Il a combattu à mes côtés du siège de Stalingrad à la prise de Berlin. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être renvoyé en Russie et accueilli en héros. Mais Staline n'avait que fait des héros. L'Allemand ne doit pas être blessé! Il nous faut Steiner vivant! Allez-y! Tous les deux! On y va! C'est bon de se battre à nouveau avec toi. Oui, mon ami. La victoire finale! Fouillez ce camp de fond en comble! On ne doit épargner que Steiner! Ils essaient de se rendre! Ils l'ont déjà essayé! Les laisse pas faire! Il n'est pas ici. Il doit être plus près du bateau. Après cette mission, tu crois qu'on rentrera chez nous? Je l'espère, Dimitri. Je l'espère. Capire! Par là, les escaliers. Friedrich Steiner. Ne pointe pas cette arme sur moi, chien de Russe! Je veux que tu me conduises à Dragovitch. Alors que je regardais l'Allemand, j'ai vu brûler dans ses yeux tout le mal du Troisième Reich. À ce moment, chaque fibre de mon être aspirait à mettre fin à la vie de ce monstre. Mais j'étais un soldat. Je croyais encore aux ordres. Amenez vos hommes! Qu'est-ce qu'il y a de si important ici? Le général Dragovitch compte bien se faire à un nom. Il croit que cet avant-poste abrite une chose de grande valeur pour notre patrie. Dragovitch et Steiner parlent comme de vieux amis. N'aime pas ça, Reznov. Moi non plus, Dimitri. Reste sur tes gardes. Faut se dépêcher! Certains Allemands préféreront le détruire plutôt que de le voir capturer. Vous m'aviez assuré qu'il n'y aurait pas de problème. Je n'ai aucune prise sur les actes des SS, général Dragovitch. Ils ont juré de défendre le Reich jusqu'à la mort. Noble, mais en vain. Avchenko, finissez-en. Reznov, vous passez devant avec vos hommes. Dites-moi plus sur votre participation au projet Giftiger Sturm, Steiner. En 1943, le Führer a réalisé qu'on ne pouvait plus retenir les Alliés très longtemps. On a alors cherché des solutions non conventionnelles. Durant toute la guerre, j'ai consacré mes recherches aux armes chimiques. C'était un travail méticuleux et frustrant. Mais on est quand même parvenu à créer une arme plus efficace que tout ce qu'on avait imaginé. L'arme qui se trouve à présent dans ce navire. Nova 6. Quelle que soit l'efficacité de votre Nova 6, il vous fallait trouver le moyen de le répandre. Fusée V2 à longue portée lancée depuis cet avant-poste.
Les cibles étaient les centres de commandement. Washington était notre première cible. Puis Moscou. Ambitieux et logique, Herr Steiner. Mais c'était trop tard. Les Anglais étaient là, et leurs bombardiers ont bloqué ce navire. Rayé dans la glace, on a tenté de reprendre la mission. Mais c'était trop tard. L'Allemagne avait capitulé, et le drapeau rouge flottait sur Berlin. Les SS avaient ordre de détruire le navire en cas d'attaque. A priori, ils ont échoué. Les explosifs n'ont pas été activés. Nous y sommes. Reznov, ouvrez la porte. On avait trouvé ce qu'on cherchait. Nova 6. L'arme allemande de destruction massive revenait à mère patrie. C'est ce qu'on a cru. Notre victoire fut de courte durée. Dragovitch voulait voir de ses propres yeux les effets du poison. Il a choisi de tester le Nova 6 sur ses propres hommes. Sur moi. Et sur mon ami, Dimitri Petrenko. Non seulement Dragovitch et Kravchenko ont collaboré avec le nazi Steiner. Mais ils étaient prêts à sacrifier leurs propres compatriotes pour les tests de leur arme abominable. Ils se sont servis de nous comme de cobayes. Moi, Dimitri Petrenko, les autres. Dimitri Petrenko était un héros. Il méritait de mourir en héros. Mais loin de donner sa vie pour la gloire de la patrie, il est mort pour rien. Comme un animal. Il aurait dû mourir à Berlin. Alors que je regardais mourir mon meilleur ami, j'étais vraiment prêt à le rejoindre. Mais le destin s'en est encore mêlé. Bien sûr, Dragovitch, Kravchenko et Steiner ont filé comme des rats, et j'ai dû lutter seul contre les Anglais. Des commandos anglais attaquent nos positions! Allez! On se fait un chemin! Il est là! Bien vu! Merde! Dans la terre! Je vais armer les explosifs! On va envoyer ce navire tout droit en enfer! Aucun temps! Je dois mettre la main sur cette arme abominable! Affirmatif! Allez! Il faut descendre de ce navire! Maintenant! Oui! Allez, les amis! Allez! Entendu! Bien raison! Il nous faut un médecin! Continue! C'est pas notre guerre! Alors on se bat contre qui? Tout le monde! On est seul! La corde! Vite! Allez, Reznov! Allez! J'avais détruit la cargaison de Nova 6, et elle ne tomberait pas entre les mains des Anglais. Mais la menace n'était pas levée pour autant. Je n'ai découvert les véritables intentions de Dragovitch qu'après avoir été capturé et envoyé à Vorkuta. Il préférera mourir que d'abandonner le Nova 6. Mason, écoute-moi. Nous n'avons plus le temps, mon ami. Tu es sûr que tes chefs la détruiront? Ne vont-ils pas plutôt l'utiliser? Le drapeau peut changer, les méthodes restent les mêmes. Ils se serviront de toi comme ils se sont servis de moi. À toi de décider. Décider de ce qui vaut la peine d'être défendu. Dragovitch, Kravchenko, Steiner, ces hommes doivent mourir.
Karloun. Il a découvert l'objectif de Dragovich, le Nova 6. Une mutation si mortelle que tu en meurs avant d'avoir touché le sol. L'arme de Dragovich. Retour au Vietnam, Wilson. Victor Reznov était encore avec toi quand tu as fini l'enceinte du McVie. Reznov était avec moi tout le temps. Tu es sûr? Au nord. On allait au nord. Les Viet. Ils nous ont abattus. Reznov a même survécu à ça. Ravchenko, le doute Dragovich, était là. Il savait qu'on... Ici Hôtel 91. On va s'écraser dans le secteur Bravo Tango 7-9. Mayday, mayday. Franck, tu vas bien? Merde! Ma jambe! Je sais! J'ai besoin d'aide! Mort! Merde! Ils arrivent! On tue ces salauds! Même l'ouvert! J'ose pas d'ici! Truc va bien son... On va crouler, mais... Ouvre l'œil, Mason. Ils sont dans le coin. Ici Lima 9 X-ray. Sergent Woods est compétent. Tu as bien choisi tes hommes, Mason. Tu dois prendre de la hauteur pour repérer le camp de Kravchenko. Je comprends. Va pas trop loin, Victor. Lima 9 X-ray, ici Whiskey. Vous êtes là? Oui, Whiskey, j'écoute. Woods! On t'a cru mort dans l'hélico. C'est quoi le plan? Nettoie le périmètre sud-est et rejoins le point de ralliement. Compris. Whiskey en route. À vous. Content que tu sois en vie, Woods. Ça marche à tous les coups. Mason, fais un topo. Quelque part près de ce village se trouve l'avant-poste militaire commandé par le général Kravchenko. La DCA bloque notre appui aérien. Sûrement un ZPU. On le détruit et on rappelle les Hornets. Groupe Whiskey, vous couvrez le pont et la rivière Est. Mason, avec moi sur le périmètre Ouest. Point de rendez-vous, le village, dans 5 minutes. Compris? Whiskey, avec moi. À plus, les gars. X-ray, dégage le flanc ouest. Arrivé dans 3 minutes. On doit se séparer. Je prends les hauteurs, traverse la rivière et trouve où placer le Semtex. Compris. Explosif en place. Sierra en position. Whiskey, prêt. X-ray en approche. Allez, 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 allez! Feu à volonté!
à couvert. 1-0 ici, Whisky. On a un ZPU sur la rivière. On manque de puissance de feu. Johnson, amène le FP-102. Il se cesse PU sur la rivière. Mason, grouille, mec. Sur la rivière près de la hutte, vous le voyez. Les vieux veulent pas jusqu'à nous. Regardez courir ce connard. D'accord, on se le fait. Bon sang. Mason, tu peux atteindre le 202. Je suis bloqué. 1-0, le nid est vide. Objectif dégagé. Tira, dégagez le périmètre nord, direction le village. Là en gauche, cible sur le toit. Position. Compris. Jetez une grenade dans ce trou. Attention, vous tirez. Top, dégagez, en avant. R.A.S., on va couper par la hutte. Mason, passe devant. Mason, par ici. Tunnel droit devant. Je le vois. Je vais sauter. Faut dégager ce tunnel. Je m'en charge. Swift, viens avec moi. Bon. Je charge les Hornets de ce côté de la zone. On y va. Lima 9, ici X-Ray. Préparez-vous pour balayage sur 5 clics. Bien reçu, X-Ray. Sale fils de pute peut se battre à plus. Stop! Reznov, t'as failli en prendre une? Personne ne se bat seul, Mason. Je vais faire le tour. D'accord, mais fais pas de bruit. Qu'est-ce qui déconne chez vous? Mason, il faut que tu te bouges le cul! Ah! Et bon? Écoute, Mason. Swift est mort, ça grouille de Viette par ici. Lima 9, balaye toute la zone. Aucun signe de... Wood, tu m'entends? Où est ton ami Swift? Mort. Tout le monde meurt, Mason. Il y a des signes de présence russe dans ces tunnels. On est bien sur la piste de Kravchenko. Là! Aide-moi à bouger ça! On se rapproche, Mason. Par où, Reznov? Suis ton instinct, Mason. On y est. La base avancée de Kravchenko. Ça semble désert. Kravchenko a anticipé notre arrivée. Il a décampé. Jette un œil. 4 février 1968. Kravchenko. Les agents inhibiteurs. Prends ces documents, Reznov. On s'en va. Ont remporté un vif succès. De récents essais sur la population locale ont démontré que c'est la souche de Novastis la plus efficace jamais produite. Comme pour les animaux sur Renaissance. Le début des symptômes sur les sujets humains est de manière limitée. Merde. Allez! Allez! Kravchenko avait piégé tout le site. X-Ray, vous m'entendez? Bon sang! Vite, Mason! Je ne tiens pas à ce que ce tunnel soit ma tombe! Mason, qu'est-ce qui se passe? On voit du feu sortir des tunnels! Vous êtes où, bordel? On va attendre jusqu'à ce qu'on voit du mouvement! On va devoir creuser pour sortir de là! Creuse, Mason! Creuse! Merde! Fais bien, Mason! T'es où, Woods?
Allez, allez! On fiche le camp d'ici, allez! Confirmer que le second de Dragovitch, Kravchenko, opérait bien au Laos. Ouais. D'après Reznov, ils ont tué un nombre incroyable de gens. Écoute-moi attentivement, Mason. Reznov n'est pas fiable. Peu importe ce qu'il dit. Peu importe ce qu'il fait. Mais c'est lui qui nous a donné Clark. Il nous a conduit au Nova 6. Reznov n'est pas celui que tu crois. Non. C'est mon ami. Il m'a aidé à m'enfuir. Trahi. Oublié, abandonné, tous frères. Oublie Reznov. Allez, Mason. On n'a plus le temps de déconner. Le monde est au bord du gouffre. Quel gouffre? Et vous êtes qui, vous, d'abord? Non, non. J'entends tout le temps ces nombres. C'est une diffusion, Mason. Les nombres sont diffusés. On t'a lavé le cerveau. Sur le Mekong, vers le nord et la base de Kravchenko. Vous alliez vers le Laos. Le Laos. Kravchenko. Ce cinglé répandait du neurotoxique sur tout le Vietnam. Je devais le tuer. Vous comprenez ça? Je dois tous les tuer. Le Laos, Mason. Vous remontiez le Mekong à l'intérieur du Laos. Jason Hudson a contacté. Mon contact. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hudson. La CIA a abattu un avion russe transportant du Nova 6. Il s'est écrasé dans la masse. Notre unité GOS est partie. Qu'est-ce qui s'est passé, Mason? J'entends des nombres! C'est une diffusion, Mason. Faut qu'on mette la main sur le Nova 6 avant que les Russes ne nettoient tout ça. Bien, c'est parti. C'est à nous, on y va. GOS, hein? Ils n'ont pas réussi. Prends le canon, ne fais pas tuer. Monsieur. Les M202 Bowman, va à tribord, arme-le. Mason, tu pilotes. Ça va secouer. Attention, camp ennemi devant, à gauche, lance-roquette. Pas de pitié. Mason, tire au canon principal. Oui, touchez. Encore 4 coups avant de devoir recharger. Tire de mortier, lorsqu'il tire vite, mobile, 3 devant, il y en a 3. Recharge, ça en fait un moins. Pas assez loin. Ils sont en route. Dégagez. Vite. Cible multiple, tour, 3 devant, lance-roquette à droite. Dis, baisse la tête. Et ça, ça ne va pas. Elle s'écroule. Merde, c'est dessus à gauche avec le calibre 50. Et bon, on attaque. Qu'est-ce que tu attends? Porte tout froidement, mouvement sur les deux flancs. La chance est un autre. On voit les ordures courir en enfer. Attends, il y a du lourd en approche. On y est, les gars. ANP, torpilleur, visez le moteur à l'arrière. Vite. Pas comme si vous voulez, mais il nous réduirait en bouillie. Pierre d'interférent. On l'a vu. On l'a vu. Vite. Tout ce qu'ils ont. Un toubib, par ici. Ce gamin y est resté. Je peux vous jurer que Woods pleurait. Mais il a jamais montré une larme. L'avion doit être tout près, Mason. Kravchenko n'est pas loin. Je vous vois, Vol 10. Bienvenue au Paradis. Je le sens.
Kravchenko est là. Répète ça. Kravchenko, il doit être dans putain, le coin. J'espère bien. Viens nous trouver, droit devant, je vous les passe. Confirmation visuelle, point d'impact, cadavres et marchandises dans tous les coins, je répète. Mason, va vers la rive. C'est pour ça que les Hinds sont partis. Ils veulent pas laisser de traces. Il devait transporter du Nova 6. Kravchenko se serait pas pris la tête pour rien. Faut escalader cette aile pour atteindre le fuselage. Je passe devant. Vas-y doucement, Mason. Je vais stabiliser de ce côté. Doucement. Doucement. Mason ! Qu'est-ce qui s'est passé ? L'arme chimique. Nova 6. Ils ont dû être dispersés après le crash. Lance grenade, Channel 8. Le trafic s'est russe avec des armes américaines. Sûrement un genre de coup monté. Le Nova 6 est parti, mais regardez, une carte de la région. Ça doit être la base de Kravchenko, en plein Laos. Kravchenko, il doit mourir. C'est bon, Mason. On y va. En bas, regardez! Merde, les Hinds sont de retour! Attention! Tire un bon nom de sol! Dragovic, Kravchenko. Ça faisait longtemps, Mason. Il faut rattraper le temps perdu. Dragovic t'a capturé une deuxième fois. Ton unité a disparu au Laos, présumée morte. Ton contact, Hudson, a été forcé de poursuivre la trace du Nova 6 sans toi. Il est allé au mont Yamantau. À ce bunker russe. Exact. Une base militaire, pleinement opérationnelle, appuyée au cœur des montagnes de l'Oural. Là, Hudson a trouvé Friedrich Steiner, le savant nazi qui a créé la souche initiale du Nova 6 pour Dragovic. Oui, c'est là qu'il a découvert les nombres, les émissions. J'y étais, Mason. J'étais au complexe de Yamantau. Oh, tiens. Les nombres existent. Ils ont toujours existé, Mason. N'est pas un jeu. Ce sera la fin du monde si tu nous aides pas. Où est la source d'émission? Ici Big Eye 6, on peut décoller. Big Eye 6, autorisation de décoller.
l'écran avec l'indicateur de cible, copilote. Affirmatif, je les vois. Kilo 1, ici Big Eye 6, je vous ai sur le TRP. Bien reçu, Big Eye 6. On a zéro visibilité au sol. Vous devez nous guider jusqu'au relais de communication. Kilo, il faut aller vers l'est. Reconnaissance véhicule ennemi en approche. Escouade, évacuez la route. On dirait qu'il y a une structure au nord. Faites-les entrer, copilote. Il passe devant la maison. Attendez, l'ennemi s'est arrêté devant la maison. Kilo 1, danger sur la route, sortez par l'arrière du bâtiment. Deux cibles repérées, tuez-les. C'est compris, Big Eye. Patientez. Il n'y a plus personne. Beau travail. CP, patrouille importante en approche. Kilo, couchez-vous. On ne bouge plus. Confirmé, Kilo 1, vous êtes hors de vue. On approche de la caserne. Cible multiple à l'intérieur. Entrez et nettoyez, Kilo 1. Bien reçu, Big Eye. Cible à terre. Communication coupée. Base dans le noir. On va au deuxième objectif. Bien reçu, Kilo 1. Kilo, allez au nord. Kilo 1, infanterie en approche. Je compte au moins 6 cibles. Trop risqué. Couchez-vous, restez hors de vue. Jason Hudson a mené l'attaque sur Yamantown. Ici Kilo 1, vous nous avez à l'écran ? Affirmatif, Kilo 1. Visibilité améliorée, entamons notre insertion en route vers la sous-station. Recherche. Il y a 4 combattants entrés dans le bâtiment. À vous. Bien reçu, Big Eye. On entre. Le relais électrique est juste dessous, 4 cibles. Bon, on y va. C'est quand tu veux.
Bâtiment principal situé à la base de la crête. Si on doit trouver la preuve que le Nova 6 a été changé en arme, ce sera là-bas. Une fois les lignes extérieures coupées, ils sauront qu'il se passe quelque chose. Il faudra aller vite, avant qu'ils ne détruisent l'épreuve. Sur vos gardes. Kilo 1, cible multiple en approche de la station relais. Bien reçu, Big Eye. Hudson, il faut qu'on reste discret. Sors l'arbalète. Pointe explosive si nécessaire. Une cible patrouille hors de l'abri. Deux à l'intérieur. Deux autres près du camion à droite. Une autre sur le portique droit. Ok, allez-y. Visez les charnières! Y'a pas de jeu! Vous contrôlez tout le périmètre. Attention, il nous reste 3 minutes avant de devoir ravitailler auprès du KC-135. Compris. Big Eye, Kilo 1 est à la station. Bien reçu. Vos gars sont en place à la fenêtre. On est en place. On nous menait à Pétrimonga! Kilo 1, cible multiple en approche de la station relais. C'est dégagé. Hudson, bloque l'antenne radar. Big Eye, ici Kilo 1. Confirmez que le relais est HS, à vous. Affirmatif, Kilo 1. Toute communication avec l'extérieur a cessé. On n'a aucun échange. On bientôt réaliser qu'on est là. Allons-y. Lance-roquette sur la crête! Hudson, reste sur le bord! On a perdu Harris! Avalanche! Hudson, cours! Cours! Allez, allez, allez! À faire le ménage. Allez! Hudson, tu vois ces câbles? Ouais, ils font le tour des bâtiments. Ils sont prêts à faire sauter le site! Faites vite, les gars, on n'a pas beaucoup de temps! Steiner n'est pas ici. Ça se verrouille! C'est quoi ça? C'est Friedrich Steiner. Il brouille nos radios. Il savait qu'on serait là! On est filmé, ils nous regardent. Dragovic enterre tout et tous ceux qui ont un lien avec le projet Nova. Je sais que je suis le suivant. Que voulez-vous? Des cibles marquées un peu partout. Sur toute l'Amérique, Dragovic a des cellules dormantes qui attendent l'ordre de libérer le Nova 6. Du Nova 6 armé. Les diffusions de numéros, que signifient-elles? Dans 36 heures, les agents dormants recevront leurs ordres ultimes. Moi seul peux vous dire comment stopper l'émission. Je suis sur l'île de la Renaissance, dans la mer d'Aral. À vous de décider. On doit partir, vite! Ah, bon tout allez, tout de suite à exploser! Je prends la mitrailleuse! Fais-nous sortir d'ici! Ah, voilà, faire démarrer! Mike, toi! Lanceur de partout! Juste une minute! On n'a pas une minute! Qu'est-ce qu'on attend, River? Toute cette putain de montagne s'effondre! J'y suis prêt! Ça y est! Vas-y, fonce, fonce!
L'avalanche a enfoui toute la base, mais Hudson et Weaver ont réussi à s'en sortir. Dragovic a changé de Nova 6 en arme et l'a déployé. Il a des agents dormants dans tous les États-Unis qui n'attendent que son signal. On est envahi. Ils nous ont envahis il y a des années, Mason. Les communistes ont attendu. Maintenant, ils vont attaquer. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tu connais les cellules dormantes? J'essaie de vous aider! Dragovic communique avec les cellules dormantes à l'aide de séquences de nombres. Ces nombres sont diffusés depuis un site clandestin, Mason. Pourquoi est-ce que je saurais où ils se trouvent? Tu étais à Borkuta, Mason. On sait ce qui s'est passé à Borkuta. Ils t'ont programmé. Tu peux traduire les codes. Mais Reznov n'a jamais... Stop! Mason, la guerre menace d'éclater. Où est la source d'émission? Où est la source d'émission? Dragovic nous gardait comme des rats en cage. Mason! On est tous en train. Tous, on l'a perdu. Mason, tu m'entends? Woods, Dragovic se paie notre tête. On était foutus, et on le savait. J'entendais que Bowman qui pleurait. Il avait renoncé. Comment le lui reprocher? Bowman! J'en peux plus. Je veux juste que ça s'arrête. Déconne pas, Bowman! Non! Je t'emmerde, le vieux top! Bowman, non! Toi mort, américain! Последний шанс. Играй! Или умирай. Tu me fais pas peur. Sale merde de communiste. Bowman! Bowman! Salopard de fils de pute! Suivant. Je vais tous vous tuer! Ne me touchez pas! Ils vont nous le payer. Toi, pas parler. Jouez. C'est quoi le plan? Je réfléchis. Pas parler. Une chance, Mason. On l'a saisi. D'accord. Bang, bang, bang. Tu ne peux pas me tuer. Toi, tirez, G.I. Toi, tirez. Merde. Cette fois, fais-le! Aim line! Prêt. Jouez! Bang, bang, bang! Ah si, c'est à 8 heures. Attends! Norris, maintenant, on y va. J'envoie une grenade. Merci. Regarde. Ok, il est mort. Jordan, venez. S'il s'en sort, il va prévenir Kravchenko. Il s'en sortira pas. Éliminé. Là, cet enfoiré, c'est de s'enfuir. Descends-le, Mason. Tu n'iras nulle part. Tu l'as eu. Pour Bowman. Pour Bowman. On y va. On n'a pas de temps à perdre. La base de Kravchenko ne doit pas être loin. Les jours de cet enfoiré sont comptés. Tu vois ce Hind? On va le voler. Ouvre le feu. L'hélico, cible repérée! C'est bon, on décolle.
Bon, qu'est-ce qu'on a de beau? Roquette UV-32, canon avant 12 mm. Waouh, de quoi faire la Troisième Guerre mondiale. Chargement des roquettes par chaîne. Moteur activé, pilote. UV-32 assigné. Canon 12 mm assigné. Puissance maximale, t'es prêt? Prêt. Je grimpe au-dessus des arbres et je te passe le manche. C'est bon. J'annonce les cibles quand je les vois. Toute cible ennemie est valable, compris? On a les coordonnées du camp de Kravchenko. Il suffit de suivre la rivière. Pigé, passe-moi le manche. T'es le pilote. Surveille bien la terre ferme, je tiens pas à en prendre une dans les boules. J'ai pigé, Woods. S'enfonce sur la rivière. On dirait aussi un calibre 50 sur le pont. Détruis-moi ce pont. Au boulot. Route fière comme ça. Tu vois le poste de ravitaillement là-bas? Ouais, je vois. Il y a un camion sur les camions. Et il y a un camion sur les camions. Allez, dégagez. Continue de suivre la rivière. Merde, hélicoptère d'attaque des buts. On approche en rayon. Continue vers le nord, reste près de la rivière. D'accord, la base de Kravchenko doit être par là. J'ai un point sur le radar, Mason. Tu vois des... Il s'enfuit. Tire-lui dans le cul. Descends-moi cet enfoiré. Putain. La base de Kravchenko est juste au sud. Je m'en charge, aucun problème. Inutile de la jouer discret, Mason. Mason, c'est toi. Reznov, je te sortirai de là. Kravchenko est ici. Par là. On ne peut pas le laisser nous filer entre les doigts. J'ai cru qu'il était mort. Quand on a été capturé à la rivière, ils m'ont amené ici. Mason, qu'est-ce que tu bouffes en sang? Il faut sortir ces gars-là. Dragovich décide de mon sort. À présent, on a notre destin entre nos mains, Reznov. Kravchenko doit mourir.
Pas cette fois, l'Américain. Toi, encore. J'aurais dû te tuer avant que t'as. Je te tiens, sale enfoiré. Tu vas mourir avec moi. Foot! Je te tiens, Mason. Woods ? Ça va aller. Ça va aller. Mason ? Reznov ? Kravchenko est mort. Dragovich, Kravchenko, Steiner, ils doivent mourir. Mais bon sang, où est la source des missions ? Ils doivent mourir. Tu as anéanti la base. Mais ça, Woods et Roman ont été tués. Toute l'unité GES balayée. Toi seul as survécu, Mason. Toi, personne d'autre. Non, Reznov a survécu. Rien que toi, Mason. Non, non, Reznov est avec moi. Depuis Vorkuta. Après avoir quitté la base de Kravchenko, après la mort de l'équipe, tu as désobéi. Non, c'est faux. J'ai juste poursuivi ma mission. Tu es allé sur Renaissance malgré les ordres. Pourquoi, Mason ? Steiner y était. Je devais tuer Steiner. Mais Hudson et la CIA étaient déjà partis coincer Steiner sur Renaissance. Pourquoi y aller aussi ? Dragovich, Kravchenko, Steiner, ils devaient mourir. On voulait Steiner vivant ! Pourquoi est-ce que tu l'as tué ? Les nombres m'ont dit de le faire ! Vous comprenez pas ? Les agents dormants de Dragovich sont chez nous. Le Novassi s'est activé. Ils vont le lâcher. Moscou ne répond plus. On n'a plus le choix. Une frappe préventive sur la Russie est prête. Le président va l'autoriser. Mason, pour la dernière fois, où est la source des missions ? Mais combien de fois Steiner était sur Renaissance ? On était obligés de tuer Steiner ! Oh ! Victor Reznov ? On voulait la même chose. La même. On le perd à nouveau. Bon sang, il est de retour sur Renaissance. Je suis arrivé sur Renaissance avec Reznov. On est ici. L'île de la Renaissance, source du poison de Dragovich. Il se prépare à livrer le Nova 6. Va avec moi. Еще немножко, немножко, еще немножко. Молодец, молодец, давай. Еще обезьяны? У нас их что? Не хватает? Разгружай, Юра. Наш приказ освободить место для аппаратуры. Черт! Хорош жаловаться. Грузи клетки на Папристан. Я должен проверить остаток груза. Tue-le, Mason. Prends la hachette. Ils sont trop nombreux, Mason. Il ne faut pas attirer l'attention. Reste dans l'ombre. Évite le projecteur de l'île. Внимание!
Все сотрудники 40-м доступ до Сент-3. Пройдите второй пристани. Судно отправляется через 5 минут. Ils commencent à évacuer la base. Ils savent qu'on est là. Мы уверены, это американцы. Да, вас понял. Bien, mon ami. Suis-moi. Я там был. Все ходил, все равно. Bien. Très bien. On se rapproche, Mason. On devrait pouvoir accéder au labo de Steiner par le toit. Ils sont en état d'alerte. C'est la CIA. Ils veulent Steiner vivant. On doit le trouver avant eux. Par là. Проблема в городе. Ясемята? Ну что с ними будет? Мой приказ. Ты, отойди! Давай, руки занимайся. Finissons-en. Les hommes de Dragovich rassemblent tout le monde. Tous ceux qui ne lui sont plus indispensables sont exécutés. Dépêchez-vous avant qu'il ne me tue aussi. Frédéric Steiner, tout est fini. Vous ? Je vous connais. Vorkuta, vous ne savez pas ce qu'on vous a fait. Mason, parle-moi. Votre monstre a coûté la vie à beaucoup d'hommes bons. C'est fini. Me tuer n'arrêtera pas le Nova. Je moque pas mal de ton Nova. Mon nom est Victor Reznov. Non. Et je vais avoir ma vengeance. Je vous jure, Steiner est mort comme ça. Reznov l'a tué sous mes yeux. Tu mens, Mason. Tu l'as tué, Steiner. On sait que c'est toi. Reznov a eu ce qu'il a toujours voulu. La vengeance. On a vu le rapport, Mason. Victor Reznov n'a pas tué Friedrich Steiner. Hanson a pu tout voir. Weaver! Passe devant, Hassan. Mason ne répond pas. On doit aller récupérer Steiner au centre de recherche. Ouvrez les yeux. Escouade Yankee, en avance! Escouade Alpha, en avant! Compris, on se met en route. Ils ont déjà commencé à évacuer. Faut neutraliser ces lance-roquettes! L'ennemi à 12 heures! C'est la route qui mène au laboratoire! L'escouade Yankee passe par l'ouest et bon choix là-bas! Compris! Escouade Alpha en avant! Au revoir! Cible l'ennemi sur le bateau!
Il est verrouillé. Allez, allez. Artillerie. Normatis, vos combinaisons, vite. Escouade Alpha, on reprend la progression. Protégez vos combinaisons. Percez vos combinaisons et vous êtes condamnés. Hudson, il faut qu'on passe ces hélicoptères. Et voilà, espèce d'enfoiré. Encore un, Hudson. Par là, on est presque au labo de Steiner. C'est bon, voilà le labo. On dirait qu'ils nous attendent. Allez-y, en douceur. Feu à volonté, feu à volonté. En haut, sur le toit. Mason, ici Hudson. On sait que tu es sur Renaissance. Parle-moi, Mason. Allons trouver Steiner. Mason, c'est Hudson. T'es là ? On ragnen ! C'est Mason. Qu'est-ce qu'il fout, bon sang ? Il tue ceux qui se dressent entre Steiner et lui. Hudson, qu'est-ce qu'il vend ? C'est quoi, ce bordel ? C'est Steiner. Il essaie de nous contacter. Steiner, quelle est la situation ? Les hommes de Dragovitch rassemblent tout le monde ! Tous ceux qui ne lui sont plus indispensables sont exécutés ! Dépêchez-vous ! Avant qu'ils ne me tuent aussi ! Mason ! Il faut l'arrêter, vite ! Merde, c'est blindé ! Mason, qu'est-ce que tu fous ? Il nous le faut vivant. Fais pas ça. Aidez-moi. Fais pas ça, Mason. Mon nom est Victor Reznov. Et j'aurai ma vengeance. Mason, non. Ça va. Va voir Steiner. Il est mort. Et Reznov, le transfuge. Il faut le trouver. Aucune chance, il a jamais été là. Je n'y croyais pas avant de le voir de mes yeux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à Vorkuta, Mason ? Steiner étant mort, Mason est notre seul lien avec les diffusions de numéros. Il faut qu'on le ramène. On y va. Par là, ça nous conduira au dock. Ici Weaver, on a le paquet, on est en route. On les docks maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mason ? Mason, mon ami, dis-moi, en quoi peut-on croire quand on a été trahi par les siens ? Quand tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait, est noyé sous les mensonges d'hommes corrompus.
Je mourrai en ce lieu maudit. La seule chose qui me maintient en vie est ma soif de vengeance. Il faut les stopper, Mason. Dragovic, Steiner, Kravchenko, ils doivent mourir. C'est inutile. On n'a plus le temps. On ne peut plus renoncer. Il était à Vorkuta, il sait parfaitement comment traduire le code. Il a entendu les émissions qui indiquent la position du site. Il a tout dans sa tête quelque part. Il sait où est le site. Il faut rejoindre le bunker. On est en Defcon 2. Tu as tout essayé. Pas encore. Il me reste une carte à jouer. Barre-toi d'ici, Weaver. Dis-leur que j'ai échoué. Tu veux mourir avec lui comme tu veux. Bon sang! Pourquoi tu ne te souviens pas? Reznov est mort, Mason, tu m'entends là? Il est mort! Weaver a raison, on n'a plus le temps. Les Russes t'ont lessivé. Je te connais. Tu n'es pas un traître. Les nombres, Mason. Que signifient-ils? D'où est-ce qu'ils sont émis? Nombres! Les nombres! Qu'est-ce qu'ils disent? Reznov! Où es-tu? Reznov! J'ai dû tuer Steiner! J'entends des nombres! Toi, encore, j'aurais dû te le tuer à Vorkuta. Attendez un moment. Il se repose. Quand il se réveillera, doublez le voltage. Je me souviens! Ah! Vorkuta! Ah, ce que j'ai subi là-bas! On a implanté dans le sujet les connaissances nécessaires pour traduire les séquences de nombres. Alors, quel est le problème? Ses réponses à nos ordres ont été... sporadiques. Imprévisibles. Il résiste de manière remarquable. Pourquoi? Il est étonnant. Atypique. Plus fort que la moyenne. Nos autres sujets de test ont beaucoup mieux répondu. S'il risque de ne pas suivre les ordres inscrits dans les nombres, alors il ne me sert à rien. Qu'il crève! Remettez-le en cellule. Oh, la douleur! Oh mon Dieu! Oh, la douleur! Rejoignez la cible! Oswald! Compromis! À Vorkuta, on est tous frères. T'es sûr qu'on peut se fier à l'Américain? Absolument. Lui et nous, on n'est pas différents. Fiez-vous à Mason comme à moi. Trahis, oubliés, abandonnés. Mason, tu dois survivre. Il le faut. On est frères, mais ça, on est pareil. Kennedy, John, Fitzgerald, il paraît que vous êtes le meilleur pour tout. Ok, il est plus que temps de filer d'ici. Pas encore. On se lance après Dragovic. Personne ne sort. Satisfait, Mason? Non, bon. Pas avant d'avoir vu le corps. Steiner était sur Renaissance. Oh, on devait tuer Steiner. Oh! Victor Reznov? On voulait la même chose.
La même. La douleur est pénible. On est frères, Mason. On est pareil. Dragovic, Kravchenko, Steiner, ils doivent mourir. Dragovic t'a lavé le cerveau. Mais Reznov avait son propre plan. Mason. Reznov. Comment t'as quitté mon pouvoir? Je pensais pas te revoir un jour. Il était pas au Vietnam. Le vrai transfuge avec le dossier du Nova 6 est mort pendant l'attaque du McVie. Il n'est jamais allé dans les tunnels. Qu'est-ce qui déconne chez vous? Kravchenko est ici. On ne peut pas le laisser unifier entre les doigts. Il n'est jamais allé sur Renaissance. Non, non. Et Victor. Non. Mason. Non, non. Victor Reznov est mort il y a 5 ans. Il est mort à Vorkuta pendant l'évasion. Tout ce temps où tu l'as cru avec toi, c'était juste dans ta tête. J'avais confiance. D'où sa réussite? C'est ce qu'il voulait faire à MK Ultra. Dragovic t'a programmé pour tuer Kennedy, mais Reznov t'a saboté. Il voulait se venger de Dragovic. Dragovic, Kravchenko, Steiner, 3 victimes. Il y a des trous dans tes souvenirs. Des périodes où tu as disparu des écrans radar. Mais on a brisé le lavage de cerveau, et tout devrait commencer à te revenir. Il faut partir. L'attaque du Nova 6 est imminente. Des centaines d'agents dormants, cachés dans toutes les grandes villes, vont déverser ce poison sur tes propres concitoyens. Quand Steiner est mort, on a perdu la clé pour trouver le site de diffusion des nombres. Il ne reste que toi. Tu as été programmé à Vorkuta pour traduire le code. Tu es le seul à connaître sa signification. Le Nova 6 était une des missions des agents dormants, mais je sais qu'il y en a d'autres dont on n'a jamais entendu parler. On a les émissions. On te les a repassées en boucle pendant des heures, mais on n'a pas encore pu venir à bout de ta programmation. Mason, c'est notre dernier essai. Écoute, je t'en supplie, écoute bien. 21, 7, 21, 14, 3, 14, 7, 18, 13, 14, 6, 22. Faites ce que vous voulez de lui, général. Je vous l'offre, pour fêter nos bonnes relations. Je vous connais, Vorkuta. Vous ne savez pas ce qu'on vous a fait. On a implanté dans le sujet les connaissances nécessaires pour traduire les séquences de nombres. À tous les agents, nos nouveaux alliés cubains nous ont gentiment autorisés à construire une nouvelle station radio permanente sur leur territoire. Désormais, jusqu'au lancement du projet Nova, tous les ordres seront émis sur ce canal. Notre plan visant à frapper au cœur de l'Occident est en marche. Attendez vos instructions. Faites ce que vous voulez de lui, général. Je vous l'offre. Pour fêter nos bonnes relations. Je sais d'où sont émis les nombres. C'est un bateau. Je l'ai vu il y a longtemps. Le Rusalka. Où? À Cuba. Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté, notre mode de vie est en danger. Notre plan visant à frapper au cœur de l'Occident est en marche. Il faut l'arrêter, Mason. Il ne craint personne, n'a pas d'état d'âme, pas de faiblesse. Sur toute l'Amérique, Dragovic a des cellules dormantes. Tient donc l'ordre de libérer le Nova 6. On me dit que vous êtes le meilleur d'entre tous. En tout point.
Dragovich, Kravchenko, Steiner. Je vous le souhaite. Ces hommes doivent mourir. Monsieur Mason. Alpha, on a le Ruzalka en visuel. Bien reçu, Yankee 1. Commençons l'approche. Mason, tu pilotes. Restez en formation. On approche de la source des nombres. Mais canon anti-aérien sur le pont. Je crois bien qu'il nous attendait. Groupe Yankee, attaquez à droite. Bien reçu, Alpha. On y va. On doit sécuriser la ZA. J'y vais. Lance-roquette pour supérieur. Groupe Yankee en position. Allez, allez. Un Hind, manœuvre d'évasion. Abattez ce Hind. On est touché! Yankee 2, tirez sur le Hind! Manœuvre d'évasion! On tiendra pas longtemps! Mason, la plateforme hélico! Bien sûr. Sors de l'hélico, saute! Allez, 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 allez! Groupe Yankee au rapport. On est sur le pont 2. Pas de trace de l'émetteur. Il est forcément là. Je sais. Continuez. Bonne année. On mourrait. On pourrait prendre les filles. Pied à terre. J'en vois, fais nous conduire. Charge, couvre-moi. Grenade à terre. Il est mort. Grenade. Il jouit. Cible à terre. Merde, hip ennemi. Mason, consolance missile. Détruis ces hip. Hudson, il faut que tu vois ça. Qu'est-ce que c'est? Merde! Weaver! On est bloqué au pont inférieur. Maniez-vous de ramener vos fesses. On est en route. Yobis, c'est rien. Cible à terre. On voit au pont les ennemis. Il y a une fuite. Bien sûr! Il est mort! Ce bateau est plus gros qu'on ne croyait! La source des nombres, elle est sous nos pieds! Merde! Merde! Dragovich a commencé à émettre! QG ici Alpha 1, on confirme que le Ruzalka est bien la source de l'émission! Envoyez les avions, on évacue le site! Dragovich. Dans moins de 15 minutes, l'US Navy va réduire tout ça en poussière! J'ai fait l'erreur de pas confirmer la mort il y a 5 ans à Baïkonour. T'es sûr que t'as récupéré tes esprits? C'est important. Il faut descendre ce fils de pute, une fois pour toutes. Casse-toi d'ici, Weaver. On va terminer tout ça. Hudson, tu vois les bouées? C'est elles qui émettent depuis la surface. C'est pour ça qu'on trouvait pas la source. La structure en dessous, c'est plus qu'un simple émetteur. C'est une base de ravitaillement pour les sous-marins russes. Le plan d'invasion de Dragovich, une fois le Nova 6 diffusé.
вижу! Я его накрыл! Залезай отсюда! Она на воздухе! Гранат! Cible à terre! Давай еще раню! Allez! S'écroule sur nos têtes! Contact à terre! Par l'échelle! Dragovic! Tu aurais dû être mon meilleur agent! Tout aurait été beaucoup plus simple! Dragovic! Mais c'est simple! Terminé pour toi! Vous voulez me détraquer la tête? C'est raté! Tu ne sais plus! Tu voulais me retourner contre les miens? T'as essayé de me faire assassiner le président! Essayé? Tu es sûr de ne pas l'avoir fait. Allez, Mason! Mason, par là! Mason! Mason! Tu as réussi, Mason! Tu l'as fait à ma place! Vis à présent! Il reste encore tant de choses à faire! Mason! C'est terminé. On a gagné. Pour l'instant. Zero, 11, 24, 11, 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11.